Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera un petit vlog avec nous en ce samedi 18 juin. Il est 8h31 exactement quand je vous prends. Je viens de tourner mon retour de course. Ah, et je vous laisse, il y a Clément qui se réveille, je vous reprends de suite après. Donc ça y est, petit bébé est juste dans sa chaise là, voilà. Il est vers maman, pendant que maman elle va tourner sa vidéo qu'elle doit tourner, voilà. Vous verrez très prochainement ce que c'est. Si ça se trouve, vous aurez même vu avant ce vlog, je ne sais pas encore. Donc oui, j'ai tourné le retour de course. Je n'en peux plus, j'ai déjà chaud. C'est hard aujourd'hui. Hein. J'espère que ça ira. Là, je l'ai mis en barboteuse. Il n'a que ça. Avec sa coude, bien évidemment, mais il n'a que ça. Si vraiment il fait trop trop chaud, c'est couche cet après-midi. Quoi, parce que déjà, rien que moi, si je pouvais voilà, ne rien avoir, ce serait encore top. Sinon, aujourd'hui, quoi de prévu au programme? Vu les chaleurs qu'ils annoncent, pas grand chose, j'ai envie de vous dire. Hein, on ne va pas sortir. Voilà, surtout avec Clément. Déjà, rien que moi, en temps normal, je ne sortirai pas, mais alors avec lui, encore moins. On va, je pense, rester tranquille, à jouer dans le parc, la sieste. Je ne sais même pas si j'irai dans l'atelier parce qu'il fait très chaud dans l'atelier. Puisque, bah, comme je vous l'ai dit, mon atelier, en fait, il y a le soleil dès le matin, en fait, dès que le soleil se lève, jusqu'à peu près 16h, 16-17h à peu près. Donc, voilà, c'est très, très exposé. Même si les volets sont fermés, il fait très chaud. Donc, on verra. Peut-être que je ferai des découpes ce soir, on verra. Parce que oui, je ne vous ai pas dit, mais ce soir, je suis toute seule. Le chat n'est pas là. Il est invité à un repas à son entreprise. Donc, du coup, voilà, moi, je n'y vais pas. Je reste ici avec Clément. C'est quand même plus simple, surtout avec les chaleurs qu'il fait, etc. Et puis, je ne me voyais pas l'emmener tout simplement. Donc, c'est parti. Là, je vais faire ma vidéo et je vous retrouve tout à l'heure. Je vous reprends, il est quelque chose comme 9h40. Ouais. Nous sommes dans le parc de Clément. Je ne vais pas trop vous montrer mon décolleté. Nous sommes dans le parc de Clément. Oui. On joue tous les deux. On a lu, je ne sais pas si je vous en avais déjà parlé, je ne sais plus. Ce petit livre, c'est Popcorn. Popcorn, le chiot. Et il adore Popcorn, c'est son livre préféré. Alors, est-ce que c'est parce que ça ressemble à Lucky? Je ne sais pas. En tout cas, c'est son livre préféré. On le lit tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Je connais l'histoire par cœur. Mais lui, ça lui fait plaisir, c'est le principe. Et là, on est en train de jouer. On est en train de jouer. Et puis voilà, écoutez... On va encore attendre un petit peu et puis après ce sera dodo pour ce monsieur, je pense vers les 10h30. Hein, après on ira faire un petit dodo. Ah oui. Et voilà, écoutez, j'ai filmé ma vidéo sur mon kit de démarrage pour ma nouvelle activité. Donc je suis conseillère Guy de Marle. Je vous ai filmé une vidéo pour vous présenter le kit. Normalement, j'aimerais pouvoir vous faire 2 recettes par semaine. Je sais pas si je pourrais. Franchement, c'est ce que vraiment j'aimerais faire. J'aimerais profiter du dimanche que je fais du batch cooking pour vous faire deux vidéos recettes. Vous les filmer pour les mettre soit sur YouTube et c'est tout. Parce que du coup, filmer comme ça, oui, sur YouTube. Et voilà, je vais essayer. Ma foi, on verra. Après, j'ai pas non plus 15 000 recettes à faire toutes les semaines. Donc, il y aura des doublons avec les posts Instagram. Mais après, tout le monde ne me suit pas sur Instagram et tout le monde ne me suit pas sur YouTube. Donc, l'un dans l'autre, ça ira. Et sur Instagram, j'aimerais vous poster, donc normalement, c'est un post par jour minimum sur Guy de Marle, sans compter dans les autres posts que je publie plus ou moins régulièrement en fonction des comptes. Il faut aussi que je reprenne en main mon blog où c'est qu'il faut que je mette toutes mes recettes, oui, mon cœur, toutes mes petites recettes pour que plus tard, Clément et peut-être futur bébé, qui sait, ou pas futur bébé, on verra. Et mes recettes et puisse les refaire quand il sera plus grand. Moi j'aurais adoré avoir ça, une vidéo, enfin un endroit avec toutes les recettes de la famille. Mon petit cœur. Et voilà, écoutez, il faut que je reprenne tout ça en main, il faut que je trouve une organisation. Oui, mon cœur. Et pour aussi mes créations, parce que comme je vous ai dit, hein, je ne ferme pas l'atelier, loin de là, l'atelier est toujours ouvert. Les créations sont toujours en cours. D'ailleurs, il y a eu quelques nouveautés. N'hésitez pas à les voir. Et voilà, je réapprovisionne très régulièrement. En fait, là, ce que je fais, parce que dans pas longtemps, normalement, on va à Ikea acheter nos meubles pour l'entrée. Puisque cet été, normalement, on peint le couloir. Enfin, je croise les doigts. Comme l'entourage va être bientôt fait, là,
Donc ça c'est plutôt cool, je croise les doigts également. Donc oui, vu que le couloir va être plein, on va aller chercher nos meubles pour l'entrée, enfin notre meuble pour l'entrée. Un porte-manteau qui s'accroche mural et un miroir. Oh, c'est le cheval, il vole, vroom. Non, non, vroom, c'est pas volé. Et en même temps, on va reprendre un grand meuble. Un 9 cases, je crois, pour l'atelier. Parce que on a enlevé en fait un meuble, le meuble qui est là derrière. C'était le meuble qu'il y avait dans mon atelier. Oui, mon cœur. Oui. Pour ranger les tissus. Et bah, du coup, il se manque beaucoup de place. Je vais aussi racheter des rangements pour ranger mes créations, parce que j'ai du stock. Du coup, maintenant, vu que je fais du stock, eh bien, il faut que je les range dans les boîtes et que je sache où et quoi. Oui, mon amour. Oui, mon cœur. Il faut également que je remette quelques petites choses sur Vinted en création, parce que maintenant, je vends mes créations également sur Vinted. Oui, mon chat. Je lui ai appris ça. Et donc du coup, je vends aussi mes créations sur Vinted et il faut que je remette un petit peu parce que là, pour l'instant, il y a beaucoup de protège carnet de santé, les étuis à brosse à dents, mais j'ai pas tout mis encore. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des essuie-tout, enfin, et j'ai fait pas mal de découpes. Donc, j'ai pas mal de créations à faire, mais il faut que j'achète du biais et du fil. Écoutez, je vais vous laisser là pour l'instant. Je vais jouer avec ce petit chat qui est juste là et qui chouinote. Qu'est-ce qu'il y a? Tiens, il y a popcorn. Et voilà, écoutez, je vous dis à tout à l'heure. Je vous retrouve, il est midi 28. Oh, avec ses cheveux qui rebiquent, je suis désolée. Les bébés cheveux post-partum, on aime bien. Il est midi 28, Clément vient de se réveiller. Enfin, il y a 5 minutes à peu près qu'il est réveillé. Il a bien dormi. Une bonne petite heure et demie. Là, il va manger à midi. C'est légumes du jardin, macaroni, fromage, c'est hip. C'est les petits végis. En fait, j'alterne. Je fais un jour végétarien, un jour viande, un jour poisson pour ce petit jeune homme. Voilà, et comme ça, c'est parfait pour lui. Et ça lui permet de goûter des choses qu'il n'a pas goûtées. Et en fait, ce que j'aime bien avec Hip, c'est qu'ils ont des... Comment? J'arrive pas. Ils ont des... Comment? Des morceaux un peu plus importants. Et c'est vrai que Clément a vraiment l'habitude des... Comment? Des petits pots sans morceaux. Et dès qu'on commence à lui donner des morceaux, c'est un petit peu plus compliqué. Donc du coup, de temps en temps, voilà, des petits morceaux, c'est très bien. Je vais lui donner à manger. Et après, moi, je vous retrouve. Ça y est, Clément a mangé. Il a tout mangé, tout bien comme d'habitude. Moi, je suis en train de faire chauffer mon assiette. Je me suis sortie ma petite salade qui était sous le seuil. Génial. Où est mon cœur? Et puis voilà, écoutez, je vais manger. Je viens de lancer Bob dans l'entrée et le couloir puisqu'il va falloir que j'aille... Enfin, non, même pas. Parce qu'il en avait besoin. Mais après... manger. Qu'est-ce qu'on va après manger, mon cœur? On finit le cadeau de la fête de papa? Il faut que je finisse le cadeau de la fête des pères. Moi qui d'habitude suis toujours en avance, je suis grave en retard. Bah disons qu'en fait, j'ai pas trop d'idées. Donc du coup, ah, c'est chaud. Donc on lui a fait un petit truc, voilà, un petit truc sympa. Hein. Un petit atelier peinture, voilà. C'est plus moi qui ai fait que lui, mais il a participé. C'est le principal. Papa sera content, c'est le principal. Et puis voilà, que demander de plus. Donc là, je vais manger. Donc à midi pour moi, enfin à midi, une heure, moins 10. C'est croque tablette façon burger. Vous allez avoir la recette très prochainement sur mon Instagram, Petit Poney Puis Cuisine. Voilà, c'est une recette avec un moule, le moule tablette de chez Guy de Marne. Si vous voulez le commander qui vous intéresse, parce qu'avec ce moule, on peut faire plein de choses, n'hésitez pas à me contacter. Et après, voilà, on va finir le cadeau de la fête des pères. Et puis après, je sais pas, on verra. Il fait déjà pas mal chaud à l'intérieur, donc on va éviter de trop... Ça m'énerve. Oui, mon cœur. On va éviter de trop sortir. Déjà, on va pas sortir, mais on va éviter de trop bouger. Ça m'a l'air un peu nuageux, non? Ah, je sais pas, j'ai l'impression que c'est... Le ciel est voilé, on dirait. Il n'est pas bleu, il est blanc, gris, j'ai l'impression.
Oui, enfin, je sais pas si vous verrez, mais. Mais voilà, écoutez, allez, moi je vais manger et je vous dis à tout à l'heure. Bon, et bien voilà, j'ai fini de manger, j'ai fini le cadeau de la fête des papas. Bon, c'est un petit truc vite fait, hein, c'est pas. C'est sa première fête des papas, il sait pas encore. Enfin, lui, il peut rien faire pour l'instant, donc. On se rattrapera l'année prochaine, voilà, il sera un peu plus grand, il pourra faire un peu plus de choses lui-même, ce sera un peu plus sympa. Donc voilà, c'était un petit truc pour marquer le coup, tout simplement. Bah là, écoutez, on est à nouveau dans son parc, hein, puisque c'est la seule pièce à peu près de la maison, il fait pas trop trop chaud. Je suis allée dans l'atelier, il fait chaud. Bon, après, dans l'atelier, on a le ventilateur, donc j'hésite à y aller, mais je sais pas, après je vais avoir chaud, etc. Donc là, bah écoutez, on va jouer un petit peu. Et puis voilà, puis après ce sera petite sieste et ainsi de suite. Oui, mon cœur. Allez, je vais jouer avec lui. Je vous retrouve, il est 4h30. Ça fait une petite demi-heure que Clément est réveillé. Je viens de lui donner son goûter. Là, je m'apprête à faire une brioche puisque bah, demain c'est la fête des papas. Et le chat voulait une petite brioche. Donc en même temps, je me suis dit ça va être l'occasion de tester la petite préparation que j'ai reçue dans mon colis hier. Donc il y a 5 sachets. Je peux faire 2 brioches avec un sachet. Donc je vais tester, je vais suivre leur recette. Et si c'est bien, je vous la partagerai sur mon Instagram Petit Colibri Cuisine. Voilà. De toute façon, je vous mets toujours nouveau post sur Petit Colibri normal, au moins comme ça. Vous ne loupez rien. Et après, je ferai les cookies. Mais je ferai cuire tout ça ce soir. Parce que là, je vais pas allumer le four à cette heure-ci. Il fait à peu près bon dans la maison. J'attendrai vers, je pense, 20h30, 21h. Voire même 21h30 pour faire cuire. Et voilà. Allez, c'est parti, mon kiki. Je vous reprends. Il est 18h15. Je viens de finir. J'ai fait mes petits cookies. Je vais vous montrer vite fait. Donc, mes petits cookies, la recette est filmée, ils ont l'air trop trop bons. Ma brioche est en train de lever là-bas, pareil, ça a l'air d'être top. Là, je vais aller donner le bain à Clément et en même temps, je vais prendre ma douche. Également, je vais lancer Bob. Et puis voilà, on va aller mettre ça là-bas. Et puis voilà, ce sera déjà bien. Il a été, ça, comme une image, Clément. Je ne l'ai quasiment pas entendu, ça c'est cool. Franchement, il a été un ange. Mais maintenant, bah, il faut que je m'occupe de lui, du coup, parce qu'il réclame un petit peu. Je vais lancer Bob et puis donner le bain à bébé, prendre la douche pour moi. Enfin, quoi que je pourrais. Je vais la prendre quand même, mais j'en reprendrai une tout à l'heure. Et puis voilà, écoutez, je vous dis à tout à l'heure. Je vous reprends, il est 7h30, quasiment. Ouais, passé 8h-20. Ce petit bébé a mangé, il a eu son bibi, un semoule vanille et un morceau de compote. Moi, je me suis coupé ma petite tomate. Je vais sortir les brioches. Je vais vous montrer. Elles sont juste canon, 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 canon. Moi, j'adore et j'adhère. Mais regardez-moi ça. Regardez-moi ces beautés. Elles sont trop belles. Elles sont juste énormes. Énormes, énormes. J'aurais largement pu en faire trop, en fait. J'ai hâte de les goûter demain. Oui, regardez-moi ça. Et je vous ai pas montré. Je vous ai fait des cookies. Voilà, voilà. Vous aurez la recette très prochainement. C'est cookie, mais ça fait plus sablé que cookie, mais c'est très très bon. Donc je vous disais, moi je me suis coupé une petite tomate. Il m'en reste des petits cakes que j'avais fait cette semaine, que j'ai mis sur du save. Donc voilà, je vais en prendre 2. Voire même 3, soyons fous. Hop, je les remettrai sous vide. Et puis voilà, je vais manger et après je vais mettre Clément au dodo parce qu'il est fatigué, il n'en peut plus, il est épuisé. Je sais même pas si ça va tenir le temps que je mange. Et puis après, j'ai déjà lancé un lave-vaisselle, mais j'ai des petits trucs à ranger et à laver. Et ranger un petit peu la cuisine. J'ai du montage vidéo à faire. Qu'est-ce que je me demande? Ah oui, à boire. J'ai du montage vidéo à faire. Et puis après, je pense que je me poserai tranquillou devant la télé. De toute façon, il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Je suis toute seule, donc voilà, je vais profiter pour faire tout ce que je dois faire. Et puis voilà, de toute façon, j'ai déjà pas mal avancé aujourd'hui. J'ai tourné ma vidéo que je voulais.
J'en profiterai quand je serai devant la télé pour écrire les recettes sur le téléphone. Comme ça, je pourrai programmer mes publications. Enfin, je sais pas si on peut, dites-moi, parce que bon, moi, je connais pas. Enfin, Instagram, vous savez que je publie, mais pas très très régulièrement. Et là, il faut que je sois régulière. Mais je sais pas si on peut les programmer, les publications sur Instagram. Je sais que sur Facebook on peut, mais sur Instagram, je ne sais pas. Écoutez, je vais manger, je vous dis à tout à l'heure. Je vous reprends, il est 8h15, je parle pas trop fort, j'ai couché Clément. Ça a été un peu compliqué de coucher, je l'ai couché à 8h moins 5 à peu près. Il y a eu pas mal de pleurs, bon, on a fait un petit câlin, des petites papouilles, des petites chansons. Je l'ai recouché, il a pleuré 2 secondes et puis là il s'est endormi, il était épuisé. En même temps, il y a 4h, il a tenu jusqu'à 8h quasiment, il n'en pouvait plus. Donc du coup, voilà, ça c'est fait, il est au lit, il dort, j'espère que ça va durer toute la nuit, hein. Il est parti jusqu'à demain. Moi, j'ai fini de manger, bah, vite fait du coup, puisque j'ai mangé entrecoupé. Hein. J'ai fait ma petite liste, il manque juste un plat que j'ai oublié de mettre. Mon petit planning des repas à faire demain en batch cooking. Donc j'ai pas mal de choses, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 plats à faire. Il y a beaucoup de salades, donc ça devrait aller vite, j'espère. Et puis voilà, écoutez, là je vais aller faire le montage de mes vidéos que j'ai tournées aujourd'hui. Et je crois que j'ai encore une à continuer à monter, mais je peux pas la finir puisqu'il faut que je vous fasse un update, mais ce sera mi-juillet. Et voilà, faites pas attention au bazar derrière moi, on voit toute la vaisselle, je suis désolée. Et sinon, bah écoutez, rien de bien neuf. Il fait quand même 25 dans la maison, j'ai vu au-dessus. Dans la chambre, le babyphone affiche 26,5. Alors, je ne sais pas si c'est la bonne température ou pas. Ma foi, j'espère que ça ira. Je l'ai mis en body bretelle, body débardeur et sa gigoteuse. S'il ne l'a pas, il ne dort pas, donc pas le choix. Si jamais je vois qu'il a trop chaud, bah, je lui enlèverai, hein, tout simplement. Je lui ai bien donné à boire avant. C'est pour ça d'ailleurs que je lui ai donné un bibi ce soir. Il a eu un biberon et pas un petit pot. Au moins comme ça, je sais qu'il a bu. Il a quand même bu un bibi de 240. Donc voilà, je sais qu'il s'est quand même pas mal hydraté aujourd'hui. Il a bu un bibi ce matin, un là. Il a quand même bu pas mal d'eau dans la journée. Donc je pense que ça ira. Et puis voilà, écoutez. Allez, moi je vais aller faire mon montage. Et puis après, je prendrai mon petit dessert. Et j'irai me mettre devant la télé. Voilà. Je vous retrouve, il est 9h, je suis en train de monter les vidéos, j'en ai déjà fait deux, là il y a la deuxième, oui, là c'est la deuxième, qui est en train de s'exporter, les deux autres sont quasi prêtes, il y en aura une, il y a un peu plus de travail que d'autres. J'ai fait en même temps déjà une première esquisse de ma liste pour des potentiels acheteurs, donc du coup voilà, je vais faire un petit message que je diffuserai. D'ailleurs, il est possible que certains d'entre vous reçoivent aussi si vous êtes dans mon liste d'amis Instagram ou Facebook. Je crois que Clément dort toujours. Je ne l'entends pas, donc c'est qu'il doit dormir. Oui, il dort toujours. Le qui dort. Noisette, je ne sais pas où il est. Ouais, il est au salon. Donc, je vais finir ça. Après, je rangerai un petit coup son parc. Un petit coup le canapé, puis je prendrai mon petit dessert. Voilà, je mettrai peut-être en ligne tout à l'heure avant d'aller au lit. Je ferai pour que ça charge sur YouTube les vidéos, comme ça je pourrai les programmer. Et puis voilà, écoutez, c'est plutôt pas mal, une petite soirée bien productive. Même si je vous avoue, j'aimerais faire plein de choses, mais je commence à être un peu fatiguée. Donc je vais voir. Je vais en profiter, tiens, pendant que ça charge. Puisque j'ai fait le tri dans mes vidéos pour lire les documents que j'ai reçus. Regardez le petit agenda, enfin, regardez un peu tous ces papiers. Et puis voilà. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Bon, il est 22h22 précisément. Je viens de finir le montage de ma dernière vidéo. Ça m'a pris énormément de temps. Je ne pensais pas y passer autant de temps. Mais j'espère que ça sera bien. Je vais aller prendre mon petit dessin. Et en attendant que ça charge, on va me mettre devant la télé tout simplement. Puis voilà, on va allumer la lumière.
Oh merde, mon dessert est dans le couloir. Oh, il faut faire du bruit. Je vais aller chercher mon dessert, je reprends après. Donc voilà, j'ai pris mon petit dessert, un petit mystère vanille chocolat. Ça, c'est la vraie vie. Je vais aller me poser dans mon canapé tranquillement. Voilà, c'est ça, c'est le bonheur. Je vais éteindre la lumière là. Bon, de toute façon, ça charge. Et je vais aller me regarder un petit épisode de Lie to Me. Je crois que j'avais déjà commencé. Vous ne voyez plus, je suis désolée, je vais allumer la lumière. Je crois que vous avez déjà vu. J'avais déjà commencé à regarder. Et ma foi, c'était plutôt pas mal. Donc écoutez, je vais me faire ça. En mangeant ma petite glace tranquillou. Et après, quand je serai fatiguée, bah, j'irai au toto tout simplement. Donc je pense que je vais clôturer ce vlog ici. J'espère qu'il vous a plu malgré tout. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, prenez soin de vous. Bisous.